est passé en tête. Hey yo tout le monde, c'est Rocky, on continue sur la petite lancée des camouflages. J'ai débloqué récemment en faisant les défis du coup de la semaine 7, la mitrailleuse TAC Evolver. Et comme les anciennes mitrailleuses, il y a le fameux défi arrivé au niveau 8, où il faut faire 10 éliminations à travers une surface. Donc j'avais fait déjà deux vidéos là-dessus, où j'expliquais les spawns favoris pour faire ce genre de défi. Je vais vous mettre les deux vidéos en fin de vidéo si jamais vous voulez les regarder. Mais grosso modo, les maps à retenir, c'est donc les deux que vous avez vus sur cette vidéo, c'est-à-dire Scrapyard avec notamment en B les grillages. Hein, c'est vraiment les grillages qu'il faut sur lesquels il faut se focus. Sur Chipmunk, à travers certains murs au niveau des conteneurs et à travers certains bidons dans les coins, on peut avoir également le... On peut valider également le défi accrochage mural, donc c'est ce que j'ai fait pour le dernier kill. Donc en dehors de Scrapyard et Chipmunk, je vous mets les vidéos à la fin, il y a également High Rise, où il y a également un grillage tout au long du milieu de la map, à travers lequel vous pouvez faire les défis. Il y a également la map Rust, où il y a une petite portion, où il y a un petit grillage, on peut également s'en servir. Et je sais qu'aussi dans Terminal, au niveau de l'avion, on peut débloquer le défi. Voilà, voilà, donc c'est surtout à travers les grillages et certains murs, notamment sur Chipmunk et Terminal, où on peut faire ce défi. Il est long, il est chiant, mais voilà, avec cette vidéo et celle que je vous mets à la fin, j'espère que ça va vous faciliter la tâche. Sur ce, je vous dis à la prochaine. Ciao, ciao tout le monde.